Bandeko napesi binonyo sombote bana ya Congo kobanda na Zaïre ti lelo bandeko nyonso oyo batanga kingai na Facebook na Twitter ndenge na pesa kibino promesse ke nakoya toya kosolola likolo ya papa Ngwanda Honoré Nzambo na yango mukolongo ekoki po na ngai na ya kosolola na bino na pesi bino nanu mbote bino nyonso na ba langi na biso nyonso na yebi ko maîtriser betwabu moyo weno jambo yeno mbote na bino mbote na beno bana nyonso ya Congo. Kombo na ngai ezali Dieudonné Dikita Makuba Kuba. Bandeko na français balobi chose promise, chose faite. Na prometa kibino lelo tozo solola. Toko solola likolo ya papa Ngwanda. Je me rappelle papa Oyo tango nyonso asalaka ba émission na ye ayebisaka biso ke il faut biso bana ya Congo tozala na habitude tozala na culture ya kotanga et naye ko se rendre compte que papa wana azalaki na raison ayebaki pourquoi alobaka ke biso ba congolais totanga kate po ba secret e bombami na ba livre totanga kate ayebaki pourquoi azalaki kolobango puisque ayebi ke biso ba congolais totikala kotanga te ba secret nyonso ekomama likolo na ye na mukanda oyo. Donc yambo nasenga cameraman na biso a zoomer yango na koyebisa bino ke lelo toko solola ezate masolo ke na yoka ki boye o bayebisi ngai boye oh, kingandi alobi boye, non. Ezali masolo ekomami na kati ya buku. Ndenge papa Ngwanda ye moko, Honoré alingaka. Totanga kabiso bana ya Congo, totanga. Me oyo kotanga na keyi kotanga. Ebi mise lingai Ngwanda ye mobimba. Ba sekre oyo biso to yebite. Bino boyebite. Bato yo bazali na ye bayebite. Ba ko apprendre qui est Ngwanda aujourd'hui. Ezate ke nazana motema mabe na ye, na ye biyete. Tokutana na ye nanu boyete. Nanu na mwona yete. Na pesa ye ata mbote boyete na luboko na nga. Me, tellement ke makambu na ye ezali ko mwona na, na miso. Ba video, ko inventele batu makambu. Ko kosela batu makambu. Ko composé batou ba bikolo boye na boye tout et tout depuis très longtemps bokoye bisanga ke mais pourquoi Dieu donné kalanyo sono lo bakate mais boye bi ke même nzambe na likolo asala ka likambuka ka te jour moko au salut boye ou bien au péché nzambe pinir yo te akotike la yo tant au se repentir ngape na zaleki kotala papa Ngwanda. Puisque le livre yo nazana ngo depuis 2002. Depuis 2002, moi na ya auteur nde apesangai. Apesangai livre yo pona papa Ngwanda. Ayebisangai zo livre yo. Na moni Ngwanda bimi na makambu na ye soki ya pareko boye na boye tout et tout. Na yebike ako benti sa bino mitu koleka. Zo livre yo. Papa nangai nde akoma. Na yango lelo, ta ekokipo nangai. Na bimisa makambu nyonso. Batutu baye bakiye Ngwanda. Comme ça, on en termine une seule fois pour toutes. To tika makambu ya Ngwanda, ba distraction na ye. To lukandenge nini, to kokiko zo pouvoir pour récupérer pouvoir pour notre peuple
ndenge nini tokoyiko kende na ba election ndenge nini tokokiko gagner ba election ndenge nini tokokiko pesa démocratie na peuple na biso olie ya kolanda ngwanda oyo azali musala na ye kaka koboma depuis qu'il a commencé à servir l'état zaïrois et aujourd'hui l'état congolais. Son travail et sa grande mission a été toujours de détruire. Et il a détruit. Il a tellement détruit que l'élo, Oyo Bisotozo Sala, Ezako détruire y était, Ezaliko sauver. Il faut Attika. Après avoir entendu Attika. Alors Bandeko, livre Oyo Yangoyo. Congo Nango, Mobutu est l'argent du Zaïre. Mobutu, caméraman Bendela Bisso livre, Mobutu est l'argent du Zaïre. Livre Oyo, Ezali, jugement dernier Yaba Mobutiste. Donc, Kombonyo Sezana Katia, livre Oyo, Yamukanda Oyo, Ezali vraiment Kombo, et comme Mina Lifelo. Nazan Zambete, ils ont peut-être mis sous ma bongwana na yebite. Mais tous les gens dont les noms se retrouvent dans ces livres, ce sont des personnes maudites. Batumoko vraiment, babomi mboka. Et malheureusement, Kombo Yangwanda Ezali Nakati, il y a livre Oyo. Mobutu et l'argent du Zaïre. Nanya komi yango. Ça va vous étonner, mes chers frères. Mouto komi yango. J'enlève mes lunettes pour bien voir. Mobutu est l'argent du Zaïre. Révélation d'un diplomate, ex-agent de service secret. Donc, Mouto komi livre yo, Azali, un diplomate. Ex-agent de services secrets, donc collègue, ya Honoré Mbanda. Oyo nyonso ekolobamawa, bisona bino, toyebi yangote, toyebaki yangote, tokoyoka yangope, sikoyo. Kombo na ye Emmanuel Dumbia, azali mukongote, azali muswahilite, azali mulubate, azali mungala, Dumbia, Emmanuel Dumbia, batutu bayebiye, asi akufa. Sikoyo ba verito yo kobima. Papa Ngwanda, koluka ngate, luka mutoyo mowe yo yo akufa o samba na ye. Ou bien samba na livre. Koluka ngaite, ono mwana wana, alobi ngaite. Bandeko, wana ezaleke introduction na biso. Sikoyo, tozo kende na kotanga point par point ndenge na anonsaki yango ke emission na biso ekozala na 4 point na kotanga eza na français mais toko limbola na ou bien toko commenter na lingala pona bonne compréhension. Et l'ingé kolobate ke soki tolobi na français batu bakoyo kate, mais ezali munoko na biso, puisque ye moko papa Ngwanda, andesanisa biso koloba na lingala, puisque za munoko na biso. Donc, tokoloba yango, soki ezala kake batutu bayoka ka chiluba, nde na lobi na chiluba, soki ezala batutu baloba ka Swahili, ndena lobina Swahili, mais il s'est fait que suite à des manipulations culturelles, Kobanda, deuxième république, Tilelo, batu presque majorité à ba Congolais, bakomi koyoka lingala. Alors, Tokobanda na premier point, Oyo ezali escroquerie et montage de faux dossiers. Na kotanga yango na livre oyo na page 71 et 72. Donc bozomo na ndenge na zoluka ba page donc 71 yango yo. Donc na kotanga
Esa période Mobutu akomaki pouvoir naye et diminuer puissance nango akomi koluka batu de gauche à droite tout et tout pour na a se relancer lissusu akomi na ba disposition lissusu donc il y a faiblesse peu facilité. Alors Ote Emmanuel Dunga Azokomaboy. Certaines personnes profitent de cette nouvelle disposition d'esprit du maréchal pour soutirer des avantages difficiles à obtenir par la voie normale. C'est le cas de l'escroc de haut vol, Mbanda, devenu ambassadeur en Israël au terme d'une acrobatie, donc pardon, au terme d'acrobatie digne d'Arsène Lupin. Bandeko Boyokananu, ex-agent secret, collègue Yambana, Mbanda Yebi et bien. Bozo Mona Bandeko Ndengenini, ex-agent secret. Donc, spécialiste. Lokola Mbanda Yemoko, collègue Yambanda, diplomate Lokola Mbanda, na livre na ye, présentation Yaliboso Azobanda, Ndengenini Azo présenté Mbanda Zambo. Alobi, c'est le cas de l'escroc de haut vol. Escroc de haut vol. Donc, non seulement Aza escroc, mais qui escroquerie n'est ya moyibi mounene. Donc, c'est un grand voleur, un grand escroc. Ezangaïté Bandeko, livre Mobutu et l'argent du Zaïre. Ce qui va citer yo awa, okokota lo la te. Boyo kanan de denge va citer Papa Mbanda. Est-ce qu'à okokota lo la? Ayebi sa kabiso kaka kwa bandeko na sale kima be bolimbi sangai. Meto ko limbi sa yo na nini olo bakate di kambu nini osala. Siko makambo yo osala, yango yo siko yo ezo bimao. Toko zela ke apre, siko senga bolimbi si ya bien. Papa Mbanda. Nazo continue. Donc, escro yo akompare na Arsène Lupin. Soki botanga ka ba livre, ba roman ya ba français. Bokoye ba Arsène Lupin Azanen. Alors, ministre conseiller à l'ambassade d'Israël à Tel Aviv. Erwana Mbanda Zalaki ministre conseiller na Tel Aviv, na ambassade. Boye bike ministre conseiller, tu ne gagnes pas grand chose. Hein? Donc, ministre conseiller à l'ambassade d'Israël à Tel Aviv, il prend l'initiative d'effectuer une mission pour les comptes du guide auprès du président du Congrès juif aux États-Unis en 1983. Bandeko, awa, naibisa kibino ke, point yaliboso, ezali escroquerie na montage de faux dossiers. Boyo ki ba traité yenano escroc. Mais si vous avez besoin de la biso, faux dossier yaliboso. Mbanda azo monté nakati a escroquerie nakati et beaucoup comprendre pourquoi depuis Mbanda banda na biso apareko musalaka ka monter ba dossier. Alors binoyo Mbanda monté la bino ba dossier jugement ya Mbanda yangoyo ce qui bo estimer que ba dossier na bino za ya lokuta c'est le moment sikoyo bo saisir occasion. Nga na ressemble la binote. Vital Kamere, oh Moïse Katumbi, Aza Zambien, Vital Aza, Burundi, oh Kabila Rwandais, oh Tshisekedi Asali Boye. Donc tout le monde est pas Yangwanda bazali na dossier. Mais eza ba blague na ya le loté bandeko. Boyo kayelo koyo mama na mbata abeta Mobutu. Avec initiative ya kokende na président ya congrès ya ba juif na États-Unis. C'est encouragé hein, bossa kana na yete.
c'est encouragé. Et côté wana vraiment, Mbanda Bokomona que non, pas de blagues. Mais vous méritez mon quoi nango, et il y a courage. Courage, paix et insolence. Hein? Parce que pour ça, le bilo quoi boy, il faut aller insolent. Akende qui na 1993. L'objectif est de convaincre son interlocuteur de secouer les grands hommes d'affaires juifs pour les inciter à effectuer des investissements au Zaïre. Dans une période où le pays est en cessation de paiement, les diplomates accusent ainsi des retards de paiement de leur salaire de plus de 10 mois. Monsieur Mbanda met sous les yeux du juif américain un faux rapport de la sécurité selon lequel les principaux dirigeants arabes, les rois d'Arabie en tête, ont mis au point un plan visant à liquider le maréchal à cause de son initiative de rétablir les relations diplomatiques avec l'État hébreu en mai 1992. Il s'agirait pour les Arabes de dissuader ceux des pays africains qui seraient tentés de suivre l'exemple de Mobutu. Il faut donc encourager les pays à franchir les pas en leur montrant les côtés bénéfiques de cette reprise des relations avec Israël. Il n'y a rien de plus parlant que l'afflux des capitaux et la croissance économique. Les riches juifs susceptibles de faire l'affaire ne doivent pas être si difficiles à trouver. Une simple recommandation venue du sommet, donc les congrès juifs, pourrait suffire comme garantie. Le président du congrès juif promet de faire le nécessaire. L'homme d'affaires israélien Taman sera le premier à répondre à l'appel. Bandeko Mbanda Azalaki, ministre conseiller na ambassade. Postwana Azalaki ko pesa yé le côté. Mbanda lobi, il faut nakoma muntu munene. Mais pour nakokoma muntu munene, akokoma muntu munene ndenge nini? Mbanda a monté dossier. Dossier wana bandeko kabamba na dossier ezali ndenge nini? Erwana Mobutu auti ko renouer ba relation diplomatique na État hébreu, na Israël, puisque Mobutu a suspendu qui ou bien a bomba qui va relation avec son Israël, tant ou à qui entre un ami et un frère, le choix est clair, donc à choisir Égypte à la place d'Israël. Mais en 1982, Erwana Mobutu et Kotina Mboka, Mobutu a l'obité, na zongela ba Yuda, pour ce qui na zongeli na bango na mozoa, moi souffle. Alors, loko na Mbanda azalaki ministre conseiller d'ambassade ya ya Congo na Bayuda a boulé à l'obia. Donc na ba relation na ngayo yo il faut na tende États-Unis. Ake États-Unis bandeko. Bimise la tata wana mokonzi ya ba juif na Israël tala kabambi ya dossier ngo nini akoseli barabe makambo. Makambo ngo nini akoseli barabe ke balingi pa boma Mobutu. Roi d'Arabie wana bomuni tata wana ya munene wana na barabi nyonso tu ke o bayokani baboma Mobutu. Oh alo soki babomi Mobutu ezali pona babangisa tous les africains oyo bakolinga ba a créer ba relation na Israël. Alo nazo senga na yo tata mokonzi ya ba juif ozwa ba homme d'affaires na union sotine de la biso na Congo pour na baya ko investir comme ça ba africain ba komona ntango ba juif ba koya pa na biso ba africain nyoso ba koya ko nouer ba relation na bino bon moni ke likambo ya c'est beau c'est bien beau to ko lo ba keno a lukeli l'état congolais ba investisseur, mais sur fond d'un mensonge monstrueux, un scandale diplomatique,
Vous vous imaginez Barab va apprendre que un proche de Mobutu a que koko se le bango makambu na niveau international que bango balingi ba buma Mobutu. Mais il y a un scandale. Nangwanda yomoko balingi ba kanga e pa Barab. Voilà Moussala Yangwanda Bandeko. Et vous comprenez comment Tata Oyo a traîné Bisson dans la boue. Na ba montage, ba faux dossier. Oyo te l'Azali Ougandé, Oyo te l'Azali Rwandais, Oyo te le Mamanaye Azali Érythréenne, Oyo te le Tatanaye Azali Éthiopien. Ngwanda, Ngwanda, Ngwanda. Yangoyo. Bandeko. Nous allons continuer. Cette prouesse vaudra à M. Ngwanda d'être nommé ambassadeur. Bingo! Ambassadeur, il y a le kouta, escroquerie, il y a mouyibi. C'est un crime d'État. Pour nous causer là-bas, l'autorité, mboka ya barab, nous sommes les gens qui sont les Mobutu. Donc, ma bengiango prouesse. Cette prouesse vaudra à M. Ngwanda d'être nommé ambassadeur. De ce tremplin, il va alors mettre le siège pour obtenir le poste de chef de la police politique mobutiste, ce qui permet un enrichissement plus rapide. Comme nous le verrons ultérieurement. Ngwanda a commis ambassadeur. Mais à mon avis, que ambassadeur, ça ne va pas. Puisqu'il y a une fois, Matakakaka ba échelon, a visé Sikoyo pour azala chef ya police politique mobutiste. Donc je crois que période oyo, ba créa qui ba service, mi sou souté, mais le service, ils allaient vraiment. Makas, il y a à l'époque, il y a sécurité, et c'est là qu'il y a police politique. Donc, Mobutiste. Ce qui, et ça, il y a un côté, il y a un côté, il y a un côté, contre Mukanda. Pour la nini, place ouana, M. Dunga, Mouwei, a zoye bisabiso que, et ça, il y a un côté, Azoa enrichissement, à s'enrichir rapidement. Donc, Ngwanda bit na yezalaki kaka à s'enrichir Mokola Banisusu. Donc, Azalaki teke pour asservir Mboka Ndingaye Bisakabino Gewongaye, na servir Mboka Nangaye Mlokuta. Yangoye Monani Polele. Ce qu'il a du retard, Wanandungi Azoloba, puisque nous avons anticipé, ce qu'il a du retard à rattraper par rapport à son ennemi viscéral, Setiale, qui vient de se hisser au rang très envié de l'homme le plus riche après le maréchal. Le poste d'ambassadeur que Ngwanda occupe depuis janvier 1984 ne rapporte que des broutilles. Donc, pour comprendre, Ngwanda, tant qu'on a commis place ou non, il y a kaka à koma lokola, c'est y aller. Les autres, ceux qui ont commis président de la République, à koluka à koma lokola, nan. Donc, un point d'interrogation. Tozo, continue. Oyo, tozo mouna escroquerie, na montage yaba faux dossier. Pour réaliser son ambition, il convainc le maréchal d'inviter à Badolité pour la fête de Noël 1984 deux grands pasteurs américains, dont le renommé Billy Graham en personne, pour une prière d'intercession spéciale afin de conserver le trône. Doué d'un pouvoir d'imagination et de persuasion hors du commun, bandeko boyo kanamu, oyo ba kolegi ya Ngwanda, ndenge bazolo. Bongo ba odombo na ba yisusu oyo, baza kutu na mutu ya Ngwanda te. Comment est-ce qu'a manipulé bango? Soki déjà, ba kolegi na ye,
bazali vraiment pour reconnaître force. Il y a manipulation en banda. Bah, azo koma boye alobi, doué d'un pouvoir d'imagination et de persuasion hors du commun, comme seuls peuvent l'avoir des grands escrocs. Mbanda vante au guide les miracles opérés sous d'autres cieux par ces hommes de Dieu au profit des chefs d'État qui n'ont dû d'avoir conservé leur fauteuil que grâce à leur prière. Vraiment, Papa Mbanda, Oyo, Makambo, Bissoto, Yébaki, Amote, Nanya, Yébaki, Ké, Mbanda, Moutoye, Saba, Billy Graham, Ba, Osborne, Ba, Jean-Louis Jaye, Tokotangamo, Na Congo, Pona, Baya, Lamba, Mobutu. A monter dossier que non bato na bazala ba prière sont qui ba bête yo ko longo na bokonzité ti a ke ko luka na ba pasteur po ba mobutu aya ka ko tika na atika na pouvoir le lo aya ko yebi sa biso ka za démocrate tala ba montage ya ba dossier moninga na yo agent secret aza ko traiter yo de grands escrocs. Azote vraiment moto yo na yebité Nzambe asalika kake mwana mobali oyo ezana ba oyo basi batanga livre oyo mais ba chakate mais on nzambe mutukaka omoni soki fin na yo se komi mandat na yo za na suka okosala ba erreur kaka pona isi na kaka ba baliki de yo libela na libela donc ba erreur ya ngwanda iliki yango na keko bimisa livre oyo bandeko na nzambe Mbanda pasteur akosabato asambelaka me botala musalu ya zalaki ko sambelela yangoyo. Après la fête, les pasteurs américains repartent dans leur pays avec un chèque royal. Mais avant de quitter le palais, ils n'oublient pas de vanter au guide les qualités de son ambassadeur en Israël. Un homme qui serait certes plus précieux auprès de lui. Les services de sécurité du Zaïre a mauvaise réputation à l'étranger à cause des exactions périodiquement dénoncées par les organisations et les ligues internationales des droits de l'homme. L'image du Zaïre en souffre. Un homme comme Mbanda, suggère-t-il, pourrait changer cette image. Bandeko. Mbanda ke ko luka ba pasteur ayena bango ay bisi bango ke me ngai na ke ko luka bino boko zo mbongo boko kende me ngai bobo bolo belanga e pa ya marshal po na agongo langa na Israel achanga pembeni na ye po na kuma responsable ya ba service de sécurité. Voilà oyo mbanda zoluka mais po azo oyo zoluka botala ba mama na lokuta ozo sala mokonzi ya mboka boy mbanda muto abedisi Congo. Vous vous rendez compte que mbanda muto abomi Congo abomi Mobutu ozo sala mokonzi ya mboka boy vraiment na kombo na Nzambe pokaka o mataka ba echelon na ba pasteur oyo ya mineno oyo mbanda lambi bango kosi bango bakoyi Bake Kubonde Lelaye et Paya Marshall. Les grands escrocs, Arsène Lupin, Ezan Tenga Mutunalobi, Ezan Dungia. Boatake Ngate, Boatake Ndungia, je ne fais que répéter. En février 1985, effectivement, Mbanda sera nommé chef de la police politique. Nous verrons ultérieurement comment il va se comporter à ce poste. Maman Nangaï. Oeza Makambo Minenao. Donc, à ce qu'on se comporte, on a déjà pour comprendre que, à quoi se comporter, le cola, comme moi, nous sommes dans la lettre T. Terminator. N'a continué. Lors d'un dîner dans un restaurant chinois, le paradis de Pékin, en mai 1990, à l'occasion de son 44e anniversaire, M. Mbanda parlera abondamment de la générosité du maréchal envers les hommes d'église.
déplorant l'ingratitude du cardinal Malula, par opposition à son éminence Diangenda, le chef de l'église kimbangiste. Bandeko. Vous comprendre, Moussala Yangwanda, opposé ba Congolais. Awa azaliko opposé Malula na Diangenda. Azako traité Malula ingrat, Diangenda nde reconnaissant. Na Mobutu. Nyonswa na kaka pona kuluka kanda ya Mobutu. Na konti ya cardinal Malula. To continue à l'obiboy. Donc, par opposition à son éminence Diangenda, le chef de l'église kimbangiste, toujours reconnaissant au guide pour les nombreux dons reçus. Donc, Diangenda aza toujours reconnaissant la guide pour na ba don reçu. Ngwanda évoquera à cette occasion les cas des pasteurs américains et celui de l'évangéliste français, Lévi Chissois, Jean-Louis Jaillet, qui l'a introduit et souvent conduit auprès du président fondateur. Alléluia, pasteur Honoré Ngwanda. Omoni Moussalo Salina ba pasteur Abatu. Et pas Iya Mobutu. Oko Yissi Batu Yanzambi. Est-ce qu'on s'en bolimbis? Tant que c'est la cérémonie, la yoke, wo, bolimbis, angai, boye na boye. Est-ce qu'on l'obama kambounion soye? Que yo pengouisa basal di nazambe? Pour na ba montage, na ba faux montage, na yo, ya okende, et pa ya mobutu ozo akaba pouvoir. Bandeko, tozo continue. Oyo, boyoki, ba montage, ya ba dossier. Et ça est belé. Mais tu as vu que tu as livré. Tu as vu que tu as un montage minéné. Ils ont un montage minéné pour comprendre. Oh non, papa Ngwanda Sambelaka. Oh boy, na boy. Mais botana, comment est-ce qu'il a manipulé les hommes de Dieu? Alors, tu as passé na point Moussousou. Tu as le détournement de fonds et bien de l'État zaïrois. Tokotala yango na page 78, tozalagi na 72, 73, toki na 78. Encore monsieur Ngwanda Zambo, ancien ambassadeur en Israël, il a des appétits financiers voraces, maman Nangai. Des appétits financiers voraces. Bino batutu ya apareko. Bossa la bakalkil ya combien ya mbongo bossangi c'est la ye. Soki musala nini et sala bambongo nyo swana. Boko comprendre que appétit ou vora swana ya mbongo ya ngoyo bakomi ya ngwa. Botanga ya ngote. Botanga ya ngoyo. Ebima na édition l'Armatan. Donc. Comme nous l'avons déjà vu à travers ses manœuvres pour accéder au poste de chef du service de sécurité. Sa cupidité est extrême. Chef d'antenne de la police politique à Bruxelles, de 1976 à 1978, il avait été mêlé à un trafic de chanvre. Ah! Oh my God, boy! Ah, les libérateurs, oui! Mais ne vous pouvez pas regarder, c'est comme que vous avez une révélation, dans la maison de la gagne. Donc, Honoré Ngwanda Zambo, les libérateurs, étaient mêlés à une histoire de trafic de chanvre et déclarés par les Belges persona non grata. Il n'avait pas hésité à voler une partie de la bourse des étudiants dont il avait la gestion en sa qualité de directeur du centre culturel. Sa couverture officielle au sein de l'ambassade. Donc, na Bruxelles, azalaki na couverture officielle. Azalaki, il se faisait passer pour directeur du centre culturel. Mais en réalité, Azalaki espion, chef de police,
politique na ambassade et na cadre wana ndazalaki ko sala trafic ya chambre. Est-ce que bande d'ancien singa pardon que za trafiquant ya chambre et ko boma bato na chambre. Est-ce que soyez bien sûr que vous allez comme personne non grata, na Brina Belgique, pour le trafic, y a chambre. Donc bandeko, Mbanda, yé ouyou, nan ouyou, nan bouyou, kate bouyé bati, na zo continue. Nyon soyou kaka, pour na le koson, y a mbongo. Mais pire, donc y a mabé du soussou. Il avait gardé pour lui une partie de l'argent offert par les guides aux médecins de la clinique Grenouillet en Suisse, où son épouse avait été soignée jusqu'à sa mort, en récompense des efforts consentis pour la sauver. Bandeko. Tata Oyazana Motemate. Maman Mobutu. Maladie na Suisse. Ba médecin ba bundani pour ba surveiller ba ko quitter Akoufi. Par reconnaissance, Mobutu a une enveloppe à tindeli ba médecin. A pesi ngombanda. Ah! Arsène Lupin. A komana enveloppe na Suisse te pour pesa ba médecin. Libérateur na bino o apareko o mwana Congo boye na boye ndenge bolobaka o mo bundeli ya Congo mo bundeli ya Congo me boye bi makambo yote tango zo bundana azo regretter pourquoi za pauvre lelo et que ya moyen comme plus riche qu'avant. Voilà bitumba ya papa Mbanda Zambo ezanga mutu nazo komate ezali dunga fe dunga mutu akomiango akufa bo kende kolamisa ebembe naye bo jige. Parvenu enfin au poste de chef suprême de la police politique, Mbanda va donner la pleine mesure à son adresse à voler et de son manque de scrupules. Il commence d'abord par détourner une partie des véhicules offerts par les Américains à l'unité angolaise et qui transite par son service, puis se livrer dans le cadre de la coopération avec la CIA et enfin ce que son énorme budget lui permet d'acheter. Il exportera clandestinement environ 200 véhicules à Brazzaville. Ensuite, il crée sa propre société d'exportation de bois, de diamants et d'or, lesquels proviennent en grande partie des saisies opérées par ses agents disséminés à travers la République. Bande Konangaï, Mouyibi Abouye, oh Kingandi, oh Aza Mouyibi, oh Moututel, Ayibi, yo kaka kofunda batu bayiba, bayiba, bazo yiba, bazo yiba, men banda, mbanda, makambo yo loba yango te pona nini ke bandeko, bonyibi sangai, nga penda za na yiba, na detournant, grand detourneur, bozo yo kao, savimbi na bitumba na Angola contre Mpela. Bamerike batindi mituka Mbanda détourné. C'est ya tindi mituka puisque ya zalaki chef ya police secrète. Ya Mobutu, agent secret tout ça et il fallait à travailler na se ya ndinga no baka c'est vrai. Ya zalaki au travailler na bango. Mais pota la musalo ya zalaki ko ça. Muto yo ko sa kabino ti le lokeo bat ya se ya. Mais muyibi ya boye se ya ko garder muyibi ya boye na ba relation na ye. Se ya yimba ki kaza muyibi. Donc ti le lo yo ya ko mi pamba. Akende kono, se ya atindele ginga yi dossier, me na muyibi, se ya garda ka muyibi, te ya ba mituka. Detourne mituka, tinda na nini na Brazzaville. Kreye ba société, ba diamant, ba or, ba bois, nyoso wana, ezo wuta wapi, acha ba agent partout na ba frontière, nyoso, boye bi ba periode wana, oleki na diamant, ba kangyo, ba botoli, eke pangbanda. Or babotoli eke pangwanda ba grim
hein, y a babwa na ba mai, bazo boto na bantu ba ba grim na mai, nyonso te zo kende pa ngbanda, ngbanda sa la société, pona nini kaka akoma lokola, seti yane. Bande konangai. Oyo ngbanda oyo biso to yebaki yete. Alors, people, un autre aperçu de la propension de M. Mbanda à la malhonnêteté. Mais boyo kasikoyo, oyo yo misus. Un diamantaire d'Anvers, M. Ronzin Sal, m'est présenté depuis 1986 par M. Casimir Kamba, ancien attaché de presse de l'ambassade, donc ancien attaché de presse de l'ambassade. Monsieur Rosensal, ou Rosensal, ça dépend, voudrait que je lui serve d'intermédiaire par, donc avec la présidence pour un projet d'affaires. Il a l'intention de valoriser les diamants du Zaïre en produisant des insignes impairs haut de gamme pour les dignitaires du parti État. Il me montre deux échantillons. Pour hommes et dames, sertis des diamants d'une valeur d'environ 1 million de francs belges. Les diamantaires me demandent de les faire parvenir au guide afin d'obtenir son accord avant de s'engager dans une production en série. J'essaye de dissuader M. Rosensal en lui démontrant la faible chance de réussite d'une telle idée, dont, par ailleurs, la réalisation serait une provocation pour la population miséreuse de notre pays. Mais il insiste. Lors d'un passage de M. Mbanda à Bruxelles, M. Rosensal lui remet en main propre les deux précieux insignes. Quelques jours après son retour au Zaïre, M. Mbanda me fait savoir que le maréchal est d'accord, mais qu'il désire retarder les projets jusqu'à l'amélioration sensible de la situation nationale. M. Mbanda ajoute que le guide a, entre-temps, gardé les deux précieux pins, Moyibi. Il me demande donc de trouver une explication plausible à donner au diamantaire en attente de feu vert. Car lui, Mbanda, ne sait pas, me dit-il, comment les récupérer du maréchal. En réalité, c'est Mbanda lui-même qui a gardé les doubles échantillons. Bande Konangai. Donc, Oyo Mutema ya Moyibi. Ce qui congoise à la réputation, il y a Mabe ya Moyibi partout dans l'ambassade, dans la diplomatie, surtout, et Zali. En partie, pour là-bas, attitude yaboye. Et pas yaba, monsieur Mbanda. Moyibi yaboye. Mundele apesuyo insigne. Kende pesa président, ce qui a concepé là, bossa la commande pour la sala ebele. Ok, inango la kisi mougou touté ou tchè na poche. Après, ou tindi maluba, ou bako sa mundele. Mais, il y a une relation internationale na yo yango ata au comme président le loba yibi koza moyibi donc au côté kana ba biso yo zoto au côté ka biso donc ozo comprendre que ce que émission oyo esili ba ambition na yo ya kokoma président bosana yango libela na libela ki politicien na yo pe tika yango kende kokoma sango soki wapi. Tolingi koyoka yo lisusu te. Honoré Mbanda terminé avec toi. Mais Bandeko, nan silite, nazo continue, parce que tata Oyo a ton disibisomiki. A inventé les batuma kambu à Nzambe. A inventé les batuma kambu. Mote manabeko ko beti sa batumitu. Ye kaka azamu santu. Pour Asenga Bolimbis. Asenga Bolimbis, nani. Makambo yo lo bayango. Toyoka payangote. Alors, Bandeko. Tozo continue. Tokotanga livre mobimbate, vous comprenez.
tozoleka na troisième et avant-dernier point nabiso. Ezali criminalité et coup tordu. Criminalité et coup tordu, tu kokende na onzième. Na kolinga quand même, na tanga parti ya souka, oyo ya point ya détournement de fonds. Et bien de l'État, dans le temps parti à Soukapo, il ne faut pas tout qu'il y ait dans Ataya, ça n'est pas capable de mission 3h, 4h. Azaka Kokoloba, Koloba, Toyoka, Toyoka. A supporter Pédi Sotolo. Comme si cela ne suffisait pas, Mbanda ira jusqu'à détourner une partie du salaire de ses propres agents en retenant les augmentations salariales. Bande. Batu ya misala na ye moko. Soki bazo, par exemple, bafuta ka bango $300, c'est un exemple. Mais, Mbanda ko yuko futa moutu $300. Batu ya misala na ye moko. Donc, ba agent wana zale ko utilize, ba yibe la kaye biloko na ba frontière, ba kanga ka batu tout et tout. Par exemple, bazo futa bango $300. Ce que l'État a augmenté les bango à ta $20. Nganda a zo retenir $20 wana bango ba mona kaka $300. Vous vous imaginez pendant tout ce temps qu'il a été à la tête de cette histoire de police de secrète de Mobutu et consorts. Botala République Mobimba, Nganda a zali ko retenir ba salaire ya batu. Mais franchement, c'est un démon. C'est un démon, ce monsieur. Hein? Nazo continue. Ceci, donc Batu ya Moussala, ceci, furieux, parle de les lyncher proprement. Les guides informés lui épargnent ses traitements en faisant son conseiller politique. Mais avant de quitter son poste, Bolanda, Mbanda, c'est fini, nous tenterons. Pour la Oyo, le Kamboyo, Sala, Okundami, Libé, ici. Suivez. Mais avant de quitter son poste, les voyous, est-ce que Ngaï Moutounazo, les voyous, parce que vous avez voyous, Maman Ngaï Terminator, les voyous, vous bégayez les voyous. Moutou est si à vous faire mbada. Yoko sambalaye. Ngaïté, ngana zotang. Donc, les voyous emportent tout le mobilier de son bureau. Les matériels de communication. Les rideaux. Jusqu'à la moquette. Les sans pantois son successeur qui ne se souvient pas avoir rencontré dans sa longue carrière un tel manque de scrupules, une telle cupidité et un tel comportement de non civilisé. Ah, pande konangaye, oyo tousika, tous les là, toyo zwakanda. Ngwande yo ne lopesa biso leçon. Moralité ni yo kopesa, biloko nous se batama ki toye bakite. Ngwanda. Balongoli yo na ki chef ya police politique. Batye yo auprès du président. Mais c'est toujours dans les sièges du président. Mbongoza toujours. Mais comment est-ce que tu peux te permettre un scandale pareil? Bureau au longoli na ba rideau. Ba moquette. Matériel ya communication. Nyonso na ba kiti. Donc ce qui est la cana ba tapis na mur de olongola lokola ba tout na ba papier peint olinga de olongola mutoyo a remplacé yo a lobi vraiment depuis Assalam Sala nano a mona degré ya cupidité ya motindo oyo te le longwa nda finga ba toke bazami yibi oh a détourné oh a sali boy Mbanda, tu dois arrêter. Une fois pour toutes. Batunyo soto bazana ba vidéo ya Mbanda na ndako bayo kaka, vous devez détruire ça. C'est démoniaque. Mbanda, toi, tu ne peux pas nous donner une leçon de moralité avec ça.
naba moquette barido alongoli. Donc comportement des non civilisés. Après son départ de la tête du service des renseignements fin avril 1990, plusieurs articles de presse ont paru qui ont mis à nu l'étendue de ces malversations, notamment dans le journal Umoja, qui a publié une liste de véhicules détournés. Comme parade, Mbanda a tenté, sans y parvenir, de racheter tous les numéros en vente. Depuis lors, il chercherait à noyer ses nombreuses activités commerciales illicites sous les prêtres noms. Donc, Bandeko Boyoki, pourquoi Bazou Bengaye voyou? Makambo Nyonso, ba malversation na Nyonso, tout ba escroquerie, ba détournement, ba koma kiango na ba Umoja, erwana pe biso to zeliko tanga na biso te lokuta mabe, ba journal Uganda za na raison tanga lo bakageno, to tanga kate, ata to tangi toujours ki pe na biso yeti. Ya zaliki lokola poisson na mai, agent secret. Azo détourner binoko Nyonso wana. Bakomi ango na journal Mbanda a tenté à somba ba journaux nyos. Mbanda, qu'est-ce que tu peux nous apprendre aujourd'hui, démocrate? Qui dit démocratie ango comme kaka boy? Tu n'as jamais exercé autre chose dans ta vie que ça. Mais on peut changer comment? Bande konangai. Ce qui le Mbanda comme président. Agozongi la kaka sika atelemelaki et sika atelemelaki yango. Donc, ba société est belle, a tché yangona ba faux combo. Mais le nom yoko, ou quoi akize ba Moïse Katumbi, ou quoi akize ba Vital Kamere, ou quoi akize ba tu es belle, ou yo si takao ba yibi ba saliboy. Mais Mbanda ou yon so yon batu ba yibaki angote, yango yon gana bimission na poisa. Mobutu et l'argent du Zaïre. Ce qui au monde Congo ya mutu awa azana di felu na Mobutu. Alors to koneka na troisième point na biso avant dernier ezana page 112 113. Donc deux pages, mais je préfère na sauter directement na 113 puisque zolo bela criminalité na bakou tordu moué ndungia à l'obiboy. Lâché également par la plupart de ses collaborateurs, parmi lesquels les fameux Seti en personne, Mobutu a choisi pour les circonstances l'homme de la situation, les rétors Mbanda Zambo, qui par ses fonctions de ministre de la Défense et de la Sécurité a désormais, via les services secrets qu'il chapeaute, la haute main sur la stratégie défensive, ayant opposé jusqu'à la dernière minute une résistance opiniâtre au multipartisme contre les avis d'Nkema et Mokolo. Monsieur Mbanda est appelé à briser toute résistance de l'opposition. Oh, Naza perd de la résistance. Ah, gaye. Donc, on m'a dit que ma cambozio. Donc, on perd de la résistance. Bible. Il y a un jugement dernier à Mobutiste et à Mbanda. Bandeko. Boyo Kindenge, Ndungi Alobi. Alobi. Donc, Moutou Abomi Congo. Mutombomi Zaïre, le lo Congo et Zangwanda. Tango biso tozo bunda na ke multipartisme. Papa Oyo ye a terminé le multipartisme contre avis Yankema na Mokolo Mpombo Edo. Mais le loi Zako finga ba Mokolo. Mais yo mouto o bomi ba Mokolo ba koma na ba situation ba za le lo. Soto yo ke na kabango tango ba zolo ka multipartisme. De tozo démocratie na biso ya bien. Ba Mokolo wana bazo servir l'état dans ndenge ya bien, mais yo boma likambo wana o telemela yango, c'est pour cela ba koki kolanda yo te. Donc je comprends aujourd'hui ba Edo tango ba pesa yo mu Congo, puisque ba yebiki tu es
Bah, et puis que tu les as détruits. Tu t'es opposé à eux. Quand ils parlaient, ils voulaient du bien de l'État, Mbanda. Quand ils voulaient du bien du peuple, Mbanda, tu t'es opposé. Et le lo oya na poto, o koma ko critiquer bango ke bazo sala na Kabila. Mais c'est à cause de toi. C'est clair. Soki o landaka, oyo bango bazala ki koloba. Que notre pays est un pays multipartisan, tout qui est dans la démocratie. Tu es un petit chéri à Mobutu. Tu es un petit chéri à manipulateur hors norme. Mais tu as un peu manipulé à Boketchu. Les gens qui ont Boketchu à comprendre. Tu es un bon dingue dans le monde à Paris. Les gens qui ont un bon dingue à Boketchu. Na ba odombo ba kotika yo puisque na ba yoko odombo atanga kate puisque oyebika atanga kate akotanga wu. Et tous les bato ba journalistes na yo wana ebele ba komelinga iba bengi ngana.